Préparez votre boisson, les amis, préparez votre petite bière et vos popcorn. À mon avis, là, ça va envoyer du loin. C'est qui joue Ghost, mais il est jungle. What? Oui, je ne plaisante pas. Attends, mais what? C'est quoi cette game? Là, on est vraiment dans le vrai faire 4. 0 CS à 5 minutes 13! Non, mais c'est très grave, hein. Là, on est sur un spécimen très étrange. Ok, salut YouTube, bienvenue à tous, j'espère que vous avez la forme. Bon, récemment on a fait une vidéo analyse de Xin Zhao, ça vous a beaucoup plu? Les visites du Fer 4 bien sûr, qui sont clairement en ce moment avec la bromance vos vidéos préférées sur la chaîne. Pour le coup, moi ça m'arrange parce que je kiffe vraiment faire ça. Petite analyse de Fer 4 comme ça, on rigole. On est en live, donc dédicace aux frérots qui sont sur les lives, n'hésitez pas à passer si vous voulez voir directement ça en live. Il y a quand même des trucs que vous n'avez pas en rediff YouTube, hein, des games. Bref, il y a quand même des avantages à venir sur les lives, n'hésitez pas à passer, faire un petit coucou, ça fait plaisir. Les liens sont en description. Alors du coup, on va analyser un personnage très spécial. Donc je remercie fortement le viewer, je me souviens plus de ton pseudo. Excuse-moi, tu m'avais contacté sur Discord, mais j'en reçois tellement de MP que je m'en souviens plus. Donc, Dark Lune Sauveur. Dark Lune Sauveur, les amis, il a de la particularité de jouer Warwick avec un stuff bizarre, avec des summoners bizarres. Pourquoi des summoners bizarres? Parce que, à la limite, Warwick top, ça peut se jouer et ça se joue de temps en temps avec barrière ou bien TP. Là, tu te dis, bon, il joue Ghost, il veut courir vite, tu vois. Il veut jouer à Underworld, clairement. Il veut choper des vampires et les bouffer, tu vois. Mais non, même pas. Le frérot, en fait, ce qu'il fait de pas très gentil pour ses teammates, peut-être qu'il fait pas exprès, mais je pense quand même qu'il fait pas d'effort, hein, c'est qu'il joue Ghost, mais il est jungle. What? Oui, je ne plaisante pas. C'est-à-dire que ce frérot joue clairement Warwick Ghost Jungle, donc il n'a pas de smite, donc il va galérer à Clara Jungle, je suppose, et il enchaîne les games comme ça. Et ce qui est rigolo, c'est qu'il a joué Volibear de temps en temps, il a fait une game, deux games de Volibear, et il ne change pas le stuff, il ne change pas les runes, ni les summoners. Donc il joue Volibear Jungle Ghost sans smite, létal tempo. Je ne sais pas comment ce mec-là peut finir des games sans... Bref, il joue sans smite en tout cas. Et je pense ça être un sacré personnage. On va se régaler. C'est pas quelqu'un qui a spammé les games de Warwick, hein. C'est pas un gros OTP ou quoi. C'est juste un mec qui joue très bizarrement. Et on va analyser ça. Après Ross Mios, l'homme AFK toutes les 5 secondes. Après Brittany, la reine du Fer 4. Après le captain sur son Xin Zhao à 9 millions de points qui ne sait pas faire un E. Je vous présente, mesdames et messieurs, le jungler sans smite. Parce qu'avec le smite, c'est trop facile. Je pense que c'est un mec qui se met de la difficulté, hein, c'est tout. Hein. On y va, let's go. On va analyser du coup. J'avais choisi la game en 2-12. Pourquoi je choisis celle-là? Parce qu'elle dure 34 minutes. C'est quand même pas très long, pas très court, c'est parfait. Et sa team est bonne. Il a une bonne team. Il a une Akali en 21-9. Une Senna en 6-8 avec beaucoup d'assists. Un Maokai en 6-9. Là, c'est du 8-11. En vrai, il a une bonne équipe. C'est lui tout seul qui fait du 2-12 et qui a solo lose. Et on va voir comment ce mec solo lose des games. C'est parti tout simplement. Voilà. On y va. Bon, encore une fois, YouTube, petit jeu, qui vous pensez qui va être le MVP de la game? De temps en temps, quand on analyse quelqu'un en Fer 4, on remarque que dans la game, il y en a un qui est encore plus marrant que le gars qu'on voulait analyser. Est-ce que ça va être le Warwick au final qui va nous régaler? Moi, je pense que oui, honnêtement, hein, parce que là, le sans smite, en plus, il joue poigne. Hein. Oh mon dieu, il joue poigne. Il joue poigne en jungle. C'est la rune la plus nulle à chier en jungle possible. Ça ne proc que sur les champions. Ça proc au bout de 3-4 secondes de combat, donc quand tu gang, bah, c'est nul. Oh mon dieu, j'avais oublié qu'il jouait poigne. Et pour le coup, il a aucun avantage de son côté. C'est un mec qui se rajoute trop de difficultés, en fait. Enfin bref, du coup. Qui va être le MVP? Est-ce que c'est ce Mordekaiser, la petite Akali, la Senna, le Maokai, le Garen, le Maître Yi, la Lux, l'AMF ou bien le Brand? Pour moi c'est Warwick, hein, clairement. Allez c'est parti, on va se focus sur lui. Oh ça va être ouf. Oh ça va être ouf. Préparez votre boisson les amis, préparez votre petite bière et vos popcorn. À mon avis là, ça va envoyer du loin. Bon déjà, on voit qu'il est très actif dès le début de la partie. Hein. Protéger sa jungle pour mettre de la vision, c'est important. Hein. Voilà, je pense que c'est quelqu'un qui se prend pas la tête, hein, clairement. Hein. Alors on est sur quelqu'un qui... voilà, qui joue la game quoi. Tranquillou, voilà, il commence sa game tranquillement. Il commence avec des bottes et 4 potions. Ah, mon Kaiser, j'ai pas vu aussi. Saut noir, collier. Ah, pas mal. Oh non, la Lux, non, non. Oh mon dieu. Oh mon dieu, c'est si close. Oh mon dieu, la gueule de la game déjà. Ouais, le Fer 4, c'est le meilleur héros. Je suis désolé. Non mais, regardez les pickness de la game déjà. Ça vient de commencer. Regardez les pickness. La comète a failli voler le blue déjà. Regardez. Oh. Si close. Il commence avec des bots. Heureusement qu'il a Warwick, hein, sinon il pourrait pas clear. Hein. Ah mais il est mort là. Il était wardé. Pepperoni Warwick. Pepperoni. Gros, il a un gosse, il a des bots gros. Il veut juste courir vite. Il a une poigne, il a rien, il a aucun outil. Il a aucun outil gros. On dirait qu'il fait un ultimate bravery mais tout le temps. C'est pas grave, il est motivé, c'est quelqu'un de motivé. C'est quelqu'un de motivé. En vrai, il ressemble à Ross Mios. Hein. Vous souvenez de Ross Mios? L'homme qui était AFK et qui faisait des dingueries. Prends la Lux, qu'est-ce qu'elle fout là, au top là? Attends, Korean roaming, hein. Niveau 1 la Lux. Mais déjà présente sur 2 kills. Je vois un peu son clear là, sur le smite. Le problème c'est que les gars, il n'y a pas que le smite qui compte. Le fait c'est que quand vous n'avez pas le smite, vous n'avez pas les bonus sur les monstres de la jungle. Vous n'avez pas les dégâts bonus, vous n'avez pas la régène.
Donc en fait, c'est une catastrophe. Ne pas prendre le smite en jungle aujourd'hui, c'est une catastrophe. Avant, on pouvait faire quelques clears, il y a de ça 3-4 saisons. Là aujourd'hui, regardez, c'est Warwick, un des meilleurs persos pour clear la jungle en début de game, et il galère, et en plus il a pas le bonus XP, n'oubliez pas ça. C'est qu'il n'a pas l'XP, il ne passe pas niveau 2 après son buff. Donc là en fait, il va gank niveau 1, il fait la taxe. Il fait la taxe. Le petit gros. Alors celui-là, il est perturbant à analyser quand même. Les gars, celui-là, il est très perturbant à analyser. En fait, on ne sait pas ce qui se passe dans sa tête, on ne sait vraiment pas ce qui se passe. Il est mort là? Il va mourir là? Ok, ça va, il a pensé à flash out. Non, mais celui-là il est dur à analyser hein. Non mais attends, mais qu'est-ce qui se passe dans sa tête là? Voilà, on est sur quelqu'un qui ne regarde absolument aucune vidéo hein, clairement, qui regarde aucun stream je pense. Parce que là il a aucune trame hein, genre dans le sens où il sait même pas ce qu'il fout là. En fait il a un gameplay, il garde le même gameplay toutes les games. Parce qu'il a gagné quelques games en jouant comme ça, il s'est dit c'est bon, c'est juste que je suis mauvais. Et go continuer de la même façon. Ce mec là, tu lui mets des bonnes conditions, il carry des games hein, 100% hein. C'est déjà un miracle qu'il arrive à gagner des games avec son... avec sa façon de jouer actuelle hein. Ok, il est fourbe. Oh, attends, mais le bras en gros, comment il meurt de ça gros? Comment tu meurs d'avoir Warwick niveau 2 avec une poigne? Putain, il est magnifique hein, point de diff en vrai hein. En vrai point de diff hein, là dessus sans la poigne là ça passait pas hein. Ok, il y retourne hein. Oh putain. Oh mon dieu. Ah, il veut courir vite lui hein. Mais il recavale hein, il veut hein. Regardez-le hein. Non mais imagine, 100% derrière l'écran, c'est un vrai loup-garou hein. Je vous jure que 100% derrière l'écran, c'est un vrai loup-garou ce mec hein. Il va être contacté par Teen Wolf pour faire un petit second rôle là bientôt là. Qu'est-ce qu'il fout au bot, il taxe? Qu'est-ce qu'il fout au bot? Il se fait pas ping les gars. Il ne se fait pas ping. Ah si, ça y est, c'est là, regardez les ping. Oh putain. Ah, attends mais c'est un génie lui gros. Non mais lui c'est un génie incompris. Je pense que lui c'est un génie incompris. Attends, voilà, la Lux elle a 3 CS frère. Elle avait 0 CS à 5 minutes la Lux. What the fuck? Attends. Attends mais what? C'est quoi cette game? Là on est vraiment dans le vrai faire 4 hein. 0 CS à 5 minutes 13. Non mais what? Non mais la Lux elle régale aussi hein. 0 CS à 5 minutes les gars. C'est juste une river Lux. Elle fait que courir dans la river. Non mais là c'est grave hein. Les deux, à eux deux ils font la vidéo hein, vraiment. Je vais analyser la Lux plus tard hein. On va retenir son solo. Qu'est-ce qu'il fait? Il se prend pour un berger, gros. Il croit que sa botlane, c'est des moutons, il veut les protéger du méchant loup, Maître Yi, gros. Regarde-le. Mais barre-toi de la botlane, frérot. Qu'est-ce que tu fous, là? Il va faire ça combien de temps? Là, il va pas faire ça toute la game, quand même. Là, il est en train de niquer la game à lui tout seul, hein, parce qu'en fait, il se met au fond, il vole l'XP de son ADC et de son support. Mais qu'est-ce qu'il fait? Oh, mon Dieu. Le problème, c'est que là, je ne sais même pas quoi dire, les gars, vraiment. Là je ne sais même pas quoi dire en fait, là c'est très dur pour moi là de commenter ça. Je sais pas, vous avez mangé quoi hier soir? Parce que, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Il prend les CS en plus hein. Ah la Senna la pauvre, c'est... Là c'est le néant la Senna hein. À ce niveau là c'est sûrement juste un gosse. Non, j'ai déjà coach, j'ai des anecdotes, j'ai pas mal d'anecdotes pour le coup. J'ai déjà coach des personnes aussi âgées et ça donne ça aussi des fois hein. Pas forcément un gosse hein, ça peut être quelqu'un qui s'en bat les couilles du jeu aussi hein. Là c'est extrême, là on est sur un level extrêmement Le pire c'est que les gars, je vous jure que c'est même pas qu'il est nul hein, en soi. C'est pas ça être nul, c'est quoi? C'est beaucoup jouer, être quand même très bailo avec le temps. Malgré ton nombre de games. Par exemple, vous voyez le Xin qu'on a lésé il y a 2 jours. Ça c'est vraiment quelqu'un de pas doué tu vois. Le gars il a plein de games sur Xin, il s'en sort toujours pas. C'est compliqué, tu vois. Lui, c'est juste un mec. Il a aucune condition pour gagner, en fait. Il se met aucune force de son côté. Il prend pas les bonnes runes, il prend même pas de smite, pas les bons stuff. Il va au bot sans arrêt. Il va enfin partir de la botlane. Non, mais c'est très grave, hein. Là, on est sur un spécimen très étrange. Très, très étrange. Je suis perturbé, le chat, là. Je ne sais pas quoi penser et quoi dire. Mis à part que ce mec-là a besoin urgent de regarder quelques vidéos, quoi. C'est pas un troll, hein. C'est pas un troll, parce que t'as des mecs qui font ça, mais ils font quand même des scores acceptables, tu vois. Lui, c'est un mec qui, vraiment, il galère, quoi. Non, c'est juste un mec, il pense faire bien, là. Vas-y, retourne au bot, hein. Non, mais c'est... Oh, la luxe. Oh, sidestep. Il dit si tu me mets ralenti avec une musique techno, s'il te plaît. Pour une fois qu'il fait des bons moves, c'est bon, on va quand même le régaler, hein. C'est important, on n'est pas là que pour dire de la méchanceté. Enfin, de la méchanceté. En vrai, c'est même pas de la méchanceté, c'est de la vérité, quoi. Là, pour le coup, ce mec-là solo lose la game. Hein. Putain, mais il retourne au bot, hein, sans arrêt. Hein. Ironique, la wave de Senna. Senna va péter un câble. Hein. Senna va péter un câble. Et que fout la Lux encore là? Attends, mais c'est vrai que la Lux elle est mid à la base. Attends, mais elle aussi c'est grave. Hein. Après, elle est présente. Elle, en vrai, pour le coup, elle carry à sa manière, tu vois. 5 kills présents sur 6, bon. C'est le jungle, la Lux en fait. Hein. Après, au niveau du farming, c'est pas ça, quoi. Attends, il est mort là. Là, il est comme ça derrière l'écran en fait. Hein. Genre, les gars, je vous jure, c'est un loup-garou IRL. Hein. Je vois que ça. Là, on est même plus sur de l'alcool. On est même plus sur un membre de la Team Sleep alcoolisé. On est sur un mec sous substance alcoolisé qui joue à Counter-Strike en game de LOL, quoi. Il va au mid cette fois.
Ça y est, ok, une fois qu'il est mort dans une lane, il va plus, j'ai compris. Je commence à comprendre le mécanisme, les gars. En fait, il va sur une lane. Une fois qu'il meurt sur la lane, il va sur l'autre lane. Donc là, s'il va mid et qu'il meurt de la mid lane, il va aller au top. Dans la logique, c'est ça. Hein. Peut-être qu'on l'a saisi, hein. Ok. Ok, donc là, il va mid parce qu'il est mort bot. Et dès qu'il meurt au mid, il va aller au top. Il a toujours pas fait sa jungle, hein. Peut-être pour ça qu'il prend pas de smite. Il a juste pas envie de jouer jungle, en fait. Hein. Peut-être qu'il tag jungle et il dit it's new meta, je sais pas quoi. Et. Oh bon dieu, maître illumé de level. Attends, il peut le gagner. Hein. S'il passe niveau 6 sur le. Ah non, il peut pas passer niveau 6 sur le bien. Sad. Ouais, il est mort. Ah non, ça va. Oh merde. Oh le ghost. Le ghost. Le ghost. Oh putain, il a une dague dentelée, j'avais pas vu. Alors pour ceux qui ne savent pas, la létalité c'est une des pires stats sur Warwick. Parce que son Q-spell et son R font des dégâts magiques. Donc c'est clairement une des pires stats sur Warwick. La pénétration d'armure, ça ne sert à rien. Warwick fait au moins. Elle est 40% de dégâts magiques dans les fights, et son passif aussi en donne des dégâts magiques par auto. Je dirais même 50% de dégâts physiques, 50% de dégâts magiques. Donc pour le coup, la létalité sur Warwick, c'est inutile. Donc là, on est sur une dague dentelée, ça sert vraiment à rien sur Warwick, quoi. Non mais c'est ça, les gars, hein, vraiment, hein, je pense que j'ai saisi le personnage. Hein. même la tour en a marre de lui, gros. La tour, il y avait un sbire, elle s'en est battue les couilles. Ah, il joue Demolish. Du coup, ah ouais, il l'aide à prendre les tours avec Demolish. Ah, je crois qu'il est mort, là. Pepperoni. Oh, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Oh putain. En fait, là, je vous jure que je l'imagine derrière l'écran, en train de se parler à lui-même. Loup, moi ganké, moi bot. Une fois que moi meurt bot, moi mid, moi loup ganker, moi courir vite avec ghost. Vraiment, hein. 100%, il est comme ça derrière l'écran. Est-ce qu'il va aller au top, là, maintenant, là? Ah non, il retourne au mid, encore une fois. Il se laisse une chance de la mid lane. Oula. Eh, la Lux, elle a peut-être 20 CS, mais elle envoie, hein. Oh. Ah, il est mort. Il était niveau 6. Ok. Attends, ça part de lui ce move là. Oh, attends, ça part de lui ce move là. Bravo, ça Warwick. Il se sert de sa faculté à bait les ennemis pour donner des kills. En vrai, on dirait juste un débutant. Hein. On dirait un mec qui découvre le jeu, hein, qui connaît pas le jeu là. Et pourtant, il a quand même des heures quoi. Parce qu'il a, je crois. Attendez, combien il a de games ce mec? Je vais voir des vite fait sur internet. Il doit avoir. Il a 200 solo queue, c'est quand même pas mal. Il a quand même 200 games hein, de solo queue. Hein. Il joue depuis la S9. Ça fait quand même, bon, 2 ans qu'il joue quoi. Attends, il est remort là? Frérot, je suis sur internet. Il laisse même pas le temps de regarder, 2 secondes. Il est remort là? Ah, mais il est niveau 6 aussi. Niveau 6 à 13 minutes. Ah non, mais là c'est grave. Hein. Un troll ne fait jamais autant de games comme ça, genre c'est impossible. Pas les mêmes games sans arrêt, en boucle. Non, c'est juste un mec qui pense. Il pense bien faire, hein, un troll. Hein. Il a 200 solo queue, hein. Il a pas 200 games tout court. C'est-à-dire qu'il est quand même monté en level. Il doit faire de la normal game à côté aussi, tu vois. Il fait pas que des solo queue. Hein. Là, on est sur quelqu'un qui pense bien faire, hein, vraiment. Hein. Imaginez une team. Imaginez, hein. Imaginez une team. Lui en jungle. Enfin, en jungle. En support jungle quoi, comment il joue de sa façon de jouer là. Rosmios en plus en véritable jungle, d'accord, en vrai jungle. Brittany en ADC. Et le Xinzao de hier, en top lane du coup parce qu'il jouait top le Xinzao de la vidéo analyse de avant-hier. Et Bob en support. Non mais imaginez la team des 5 là. Les Avengers gros, les Avengers, genre vraiment. Ils peuvent pas perdre, c'est impossible. Tous les ennemis FF contre eux. Je crois que nos trolls qui peuvent avoir un petit 2% winrate. Je pense que 2% winrate c'est bien, genre une game sur 50 gagnée, je pense que c'est normal. Que fait la Senna là? Mais qu'est-ce qu'elle fait pour table la plante frérot? Non mais qu'est-ce que c'est que ça gros? Oh, regardez la Senna! Regardez ce qu'elle fait! C'est pas à Lucette de venir t'aider là, c'est à toi de prendre la plante. Mec, elle a fait une incantation vaudou gros autour de la plante là. Elle a invoqué les esprits gros. Oh putain. Pourquoi dès que je mets la POV sur lui, il se passe une dinguerie mec. On dirait que c'est fait exprès genre. Mec, je passe la POV sur lui, je le vois en train de faire un trick shot là le Warwick là. Regarde-moi ça gros. Le ghost frérot. T'as ton ghost. Oh putain. Oh il est mort. Oh Maitruy est trop fed. 13-0 le Maitruy. Ok ça va. Et la Kali est pas mauvaise en vrai hein, la pauvre. Oh la Kali là Attends, il a tout dodge. Il a rien dodge du tout frérot. Tu parles du Warwick. Ah oui le Warwick pardon. Je pensais que tu parlais de la Senna. Non là, parce que la Senna elle a rien dodge hein. Elle a juste pris des dégâts sans... C'est comme ça genre. Brand de Kaiser. Contre le Brand. Brand de Kaiser c'est très fort à Baello hein. Facile à jouer.
des grosses stats de base, un peu comme Garen, hein, même style de perso qui sont très bons à Baello. Warwick aussi d'ailleurs à la base c'est facile en Baello, mais bon avec un smite quoi. Il retourne au mid hein. Mais attends, mais combien de camps il a fait? Combien de camps il a fait cette game les gars? En vrai, notre rôle, combien de camps il a fait? Il a fait quoi son red buff au début et c'est tout? Deux hein. Deux ou trois hein. En vrai c'est compliqué à analyser ce genre de game parce que t'essayes de comprendre, t'essayes de... Mais je pense que des fois y'a rien à... Y'a pas à chercher à comprendre, tu vois. C'est comme essayer de comprendre ton pote qui est bizarre quand il est bourré, tu vois. C'est un peu pareil. Je pense qu'il faut juste assumer le fait qu'il soit comme ça et l'accepter tel qu'il est. Après, merci à lui, hein. Encore une fois, ce genre de personne-là, il nous régale à nous parce que nous, on peut passer des bons moments sur YouTube tant qu'il prend du plaisir sur le jeu, tu vois. Après, je pense quand même que là, à ce niveau-là de trolling, il devrait faire de la normal game. Pour le coup, là, c'est dommage qu'il fasse de la solo queue. Même si, bien sûr, encore une fois, hein, je répète, hein, je vois souvent des commentaires des gens qui disent ah, c'est chiant d'avoir des trolls comme ça dans le game, en faire 4 et tout, en faire ou quoi. Je vous cache pas quand même que les gars, si vous êtes bloqués en fer, ce n'est pas la faute de Dark Lune Sauveur, ni de Brittany, ni de Rosmios, hein. C'est pas à cause des personnes comme ça que vous êtes stuck. Hein. Si vous avez un minimum, on va dire, de compréhension du jeu, vous êtes censé passer au moins Silver sans avoir besoin d'être forcément très fort au jeu. Hein. Voilà, encore une fois, c'est pas à cause de ces joueurs-là que vous perdez vos games. Vous allez perdre, certes, je te cache pas que si tu le tags lui, tu as 90% de chances de lose la game. Mais derrière, t'es censé quand même gagner des games pour pouvoir sortir de ce Là et ne plus le croiser, le frérot là. Tu vois ce que je veux dire? En bronze silver, il y a des spécimens aussi, faut pas croire que c'est que en arène. Bien sûr. Mais après, encore une fois, c'est plus facile de 1v29 dans ces Elo là que à plus Elo. T'as un troll en diamant qui donne 3 kills à une Akali en early game, ta game elle est foutue. T'as un troll en bronze, en silver ou en fer qui donne 3 kills à une Akali, bah l'Akali va pas forcément 1v29 derrière. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme ça qu'il faut voir la chose aussi. Donner des ressources à un mec qui va savoir quoi faire avec, c'est foutu. Donner des ressources à un Baello, il va pas forcément 1v29. Hein. Tu sais que ce genre de joueur rend les parties compliquées quand t'as pas un mental solide. Exactement. Là, je suis d'accord. C'est vrai que quand t'as enchaîné 2-3 mauvaises games à ton elo, à ton niveau, que d'un coup tu te payes lui en jungle, je comprends que c'est compliqué. En vrai, ça doit être dur mentalement pour lui. T'imagines, genre, à chaque game, il doit se faire victimiser comme ça par le jungle ennemi, hein, vu qu'il est toujours en retard d'XP. En vrai, ces shimoneurs, c'est vraiment pour se barrer à chaque fois, quoi. Il y a des shimoneurs vraiment ultra défensifs. En vrai, il a raison, parce que la barrière en soi, c'est quand tu te bats au corps à corps que c'est intéressant. Sur un champion mêlé, la barrière, c'est intéressant sur Warwick quand tu te bats. Lui, il fait que fuir en soi. Donc, il prend pas barrière, il prend Ghost pour fuir. C'est malin, hein. En soi, il se connaît, tu vois. Je pense que le smite, ça l'aiderait quand même un peu. Ok. Regarde le courir, gros. Il est magnifique quand il court. Il retourne au bot. Allez. Non, mais attends, il farme jamais sa jungle. Il ne farme jamais sa jungle. Hein. On dirait vraiment un bot. C'est vrai qu'on dirait un peu un bot. Hein. Non, je pense pas que ça existe des bots comme ça en vrai. Parce que les bots, ils prennent les summoners, des vrais. Hein. Et je crois qu'il n'y a pas de bot en jungle. Pas avec autant de games, il se serait fait ban déjà. Pas avec autant de games, c'est impossible. Combien il a de proc de poigne? Ça me tient à cœur quand même là. 6 proc. 6 proc en 20 minutes, frérot, les dieux de la poigne t'en voudront là. C'est un nouveau joueur. Bah, pas vraiment, hein. Pas vraiment un nouveau joueur. Hein. Oh. En vrai, son ulti était beau là. Après, ce genre de joueurs là, c'est toujours pareil, tu vois. Ils font des moves catastrophiques et de temps en temps, ils font des moves sympas. Et du coup, il reste au bot avec la Senna. T'as, mais la Senna, elle en a pas le cul de lui. Hein. Il lui a niqué au moins 50 CS, hein, je déconne pas. Hein. Il lui a niqué 50 CS à la Senna. Après, il a l'épée sanglante, hein. Pour split, c'est pas mal, hein. Regardez l'attaque split qu'il a. Il a le démolish. Peut-être pour ça qu'il veut juste aller sur les tours. Hein. Il a des runes pour démonter des tours. Il est maîtrise 7. Après, les maîtrises, ça veut rien dire, frérot. Les maîtrises, ça veut absolument rien dire. Hein. Regarde Bob, hein, sur un rayon sol, il est maîtrise 7. Aïe. La Senna! La Senna! Mais aide-la! Elle est venue te sauver! Oh, c'est beau! Oh, c'est beau! Oh, c'est beau! Oh, comme c'est beau! C'est le moment le plus beau de la game! Regarde! Non, mais Idizi, tu mets une musique, je sais pas, gros, Titanic, ce que tu veux là! Une musique d'amour, hein! C'est magnifique, hein! Comment ça? Warwick! Tu m'as baisé ma game, mais c'est pas grave! On la baise à deux! Ok, ok, on la baise! C'est magnifique. Vous vous rendez compte que la Senna se fait int la game par ce Warwick? Elle le voit dans la merde, elle flash in heal. Bon, le heal, elle a pas... Bon, le heal, c'est pas ça. Hein. Le heal, elle a pas compris. Elle aurait pu faire un heal un peu mieux, quoi. Ah, ça me fume. Ce fight est... En vrai, ce fight est beau. C'est une bromance qui est née, les gars, là. Peut-être qu'ils ont duo après, hein. Peut-être qu'après, ils ont duo, hein. Rick et Dark Lune, le superbe duo de l'affaire 4. Et lui, continue à niquer sa wave. Oh putain, il va mourir. Ok, le chat, Harry Payne Pepperoni pour Warwick. Oh non, ça va, il survit. Oh putain, oh non, le Garen il en veut. Oh non, le Garen il l'en veut, les gars. Le Garen il... Son gameplay me fume, putain. Je sais pas comment il fait pour faire des games comme ça. Et là, il va faire son gantelet givrant, du coup. Il fait toujours le même stuff. Il fait épée sanglante, gantelet givrant et Sterak. Bon, Sterak, c'est bon comme item. Hein. L'épée sanglante, c'est de la merde sur Warwick. Le gantelet, c'est pas ouf. En vrai, y'a rien qui va. Hein. Il a 48% win rate. Hein. Vous vous rendez compte? Il a 48% win rate. Hein. Imagine dans le chat, certains d'entre vous ont un moins bon win rate que lui.
Imagine t'es à moins bon win rate que lui, gros. Ah. Proc poigne. Pas mal, hein. Poigne. Dommage. Bon, il est pas assez... il a pas un stuff pour pouvoir s'exprimer, là, en vrai. Hein. Akali. Oh, Akali. Oh. Voilà, Akali, putain, un V9. Ok, mort de gazeur contre Garen. Il veut se venger, les gars. Le ghost, Warwick, ton ghost. Ton ghost. Magnifique, magnifique, frérot. Magnifique, ça, tu l'as bien chassé, cette connasse. Il avait faim, là. Là, je vous cache pas que ce kill-là, il le voulait. Hein. S'il l'avait pas, il faisait du rundown, hein, je pense. En vrai, il est magnifique, le chat. Hein. Non, en vrai, il est magnifique. Hein. Franchement, c'est un spécimen. Hein. Alors, pour le coup, c'est même pas que... En fait, le move du... Le Xin, il y avait des moves épiques et tout, tu vois. Lui, il y a quelques moves, un peu moins de moves, on va dire. Mais surtout, la globalité de son gameplay, en soi, qui est vraiment ridicule. Et c'est le fait qu'il arrive à avoir 48% winrate en jouant comme ça, les amis. Même s'il est en faire 4, 48% winrate. Moi, j'imaginais à 25%, là, jouer comme ça. Hein. Pour le coup, c'est propre. Hein. Donc oui, à tous ceux qui regardent cette vidéo sur YouTube, si vous êtes faire 4 ou faire 3 et que vous avez moins de 48% winrate, c'est que vous êtes pire que ça. Oh, ça c'est pas très gentil. Là, je vous fais du bien, là. À sortir dans le chat, là. Ok, en vrai, celle-là, elle est gagnable de game de ouf. Hein. Il a vraiment une très bonne team, surtout la Akali, hein. La Akali elle est en pure 1-1. Hein. Encore une fois, vous voyez, dans ce Halo-là, le farming, c'est important, mais c'est pas vital. Dans le sens où la Akali, regardez, juste parce qu'elle a des mécaniques supérieures aux autres, elle arrive à s'en sortir très bien dans la game avec des kills, et elle peut se feed avec des kills. Moi, je suis monté, sorti du bas Halo, parce que, pas forcément grâce au farm, à la vision, à tout ça, je suis sorti du bas Halo, parce que je commençais à avoir des mécaniques bah, meilleures que mes ennemis, et du coup, j'arrivais à me feed à chaque partie grâce à ça. Et là, la Akali, je pense qu'il va sortir de ce Halo-là s'il fait beaucoup de games comme ça. Warwick en speed push. Il a son gantelet, hein, il a son gantelet. Non, elle smurf pas la Akali, les gars, par contre, calmez-vous. Hein. Elle ne smurf pas. Elle peut faire une bonne game aussi, hein, c'est possible. Le Brand est en 0-12. Putain, j'avoue, le Brand, j'ai pas vu, il est en 0-13 là maintenant. Il a que des assists, le pauvre aussi. Pour sa défense, il a que des assists. Mais quand même, hein, 13 morts hein, déjà. On est sur un bon petit Brand, quoi. On dirait le mien de Brand, il meurt beaucoup, mon Brand aussi. Non, les gars, faut pas crier au smurf tout le temps. Hein. Depuis la smurf fuse, déjà, il y en a beaucoup moins, donc pour le coup. Ok, l'exhaust, l'engage. Akali qui ne le follow pas. Hein. Akali qui laisse tomber le loup-garou, elle ne lui fait pas confiance. Pepperoni. Le ghost un peu late. Elle y va une fois qu'il est mort. Bon, c'est pas un smurf là, Akali, vous le voyez. Voilà, il va sous tour à la fin. C'est clairement pas un smurf, hein. Non, c'est pas un smurf, vous l'avez vu là, voilà. Pas parce qu'elle fait du 19-7 que c'est un smurf, hein. Là, vous l'avez vu que bien quand même que c'est pas un smurf. Juste, elle se concentre un petit peu, elle fait des kills. Enfin, parce qu'Akali, c'est pas facile à jouer quand même, quand t'es Baello. Ouf. Oh, le maître il envoie des patates, gros. Il est tellement fait. Tu vois, tu lui mets maître E comme champion, à la Akali, elle s'en sort beaucoup mieux. Deux kills sur Brand, les gars. C'est la fin de la game pour Warwick là. Brand a eu des kills, c'est mort. Oh, il a pris un phage, hein. C'est fini. C'est fini, il a son phage. Non! What? Il est en train de farmer sa jungle. Il disait tu me fais un montage, tu mets un genre de cadre photo s'il te plaît. Un cadre photo autour. En plus une photo de famille avec les loups, c'est parfait. Voilà. Petite photo comme ça là. Tranquille, attends, je te mets bien, il disait. Voilà. Moi une petite photo là. Il faut immortaliser. Hein. Gros, il fait ses loups. Cannibalisme. Oh putain, Lux. Il a esquivé. Le bord de Kaiser, il doit péter un câble. Le vent du Kaiser à 100% il est comme ça, mais qu'est-ce que tu fous, Warwick, qu'est-ce que tu fous. Il est magnifique. Oh, le team Maokai. Maokai est bien dans la game aussi. Hein. Ok, les 0 dégâts de Senna. Heureusement qu'elle a un Kraken quand même. Oh, elle tape 0, ils sont à la soule des montagnes, c'est fini là. Ah, c'est fini là, ils ont des champions faciles à jouer, Garen, Maître Yi avec une soule des montagnes. Bon là c'est comme le Seigneur des Anneaux là, là on est sur des fights autant épiques que le Seigneur des Anneaux, hein, je dis. Oh, pas mal. Putain, la sauce qu'il a pris. Oh, la sauce qu'il prend, le pauvre. Oh, Senna, elle est trop bien. Senna, elle est trop mignonne avec lui. Elle fait que le heal, le sauver et tout. Ok, attends, mais ils sont bien, là. Nashor, hein. Faut qu'il nash. Oula. Il a fui le combat. Il a fui le combat, il abandonne ses mates. Ah, enfin, là t'abuses par contre, frérot, tu peux pas back là. Tu peux pas back là comme ça, à côté de la base, vas-y à pied frère. 8 secondes. Il a abandonné ses mates. Senna, ok, pas mal. Ah, elle est morte. Elle est morte. Elle va se prendre une auto, un R, elle est morte. Ah, le gars, il fait super mal en plus. Hein. Oh, le Warwick, il a abandonné ses mates frère. Nice. Première fois qu'il fait le golem, je crois. Je crois notre rôle que c'est la première fois qu'il fait le golem.
Ah. Le ghost. Le ghost. Il y retourne. Oula, 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 oula. Où ils vont se prendre une sauce là. Ah, c'est fini. Bah, il est allé un peu tard. Et du coup, c'est fini sur ça. Un gros combo de luxe et un combo de brand. Ah, la Senna a pas capté qu'il y avait le Garen sur lui, je crois. Il est pas assez gros, Garen, je pense. En vrai, les gars, je suis étonné. Vraiment, hein, là, je suis sur le cul, en fait. Comment ce mec peut avoir 48% winrate? Il gagne des games en jouant comme ça. Il gagne presque... Enfin, il gagne une game sur deux, pratiquement. Il gagne une game sur deux en jouant comme ça. Pour vous dire, hein. Pour vous dire que c'est quand même accessible, faire 4, déconnez pas. Là, on a la preuve que, voilà, c'est pas à cause de ce genre de joueur que si vous êtes stuck faire 4 ou faire 3, ce mec-là arrive à avoir 48% winrate. Je me suis moqué du Brand en 0-12, il a enchaîné les kills. T'as vu un peu, tu t'es moqué du Brand, regarde maintenant. 6-15. Comment il s'est pas ban? Bah il s'est pas ban parce qu'il a 48% winrate, tout simplement. Bah voilà, écoutez, c'est la fin de la game. Bon, en vrai, pour le coup, j'ai kiffé, hein. C'était assez... Pour le coup, c'était vraiment original, parce que là, on est sur un mec qui ne comprend absolument rien, mais absolument rien, aux bases du jeu, hein. Non, mais je dis ça, c'est ma name, parce qu'il y a des gens qui disent « Ouais, si je stuck faire 4, c'est à cause de ce genre de joueur. » Non, frérot, si je stuck faire 4, c'est parce que t'es autant bourré qu'eux. Tu ne peux pas, aujourd'hui, tu ne peux pas être stuck faire 4 en jouant au jeu, on va dire, en se remettant en question, avec un minimum de review, tu vois. Non, vraiment, imaginez un truc. Un monde où ce Warwick-là a prédict que le smite dans une prochaine méta sera tellement nul, le smite, que les jungles joueront ghost. Peut-être qu'il est juste en avance, c'est un émissaire de notre planète, et qu'il nous montre tout simplement l'avenir. Hein. Ça peut être ça. Hein. Du coup, faire 4 égale challenger. Ah, bah, clairement, les faire 4, c'est des superstars. Hein. Pour le coup, je pense qu'il y a plus de... Il y a plus de challengers que de joueurs comme ce Warwick. Hein. Indirectement, il est très original. Bon, bah voilà, c'était une petite analyse de Dark Lune Sauveur. Bon, pour le coup, c'était vraiment épique. Hein. Là, je suis sans mots. Hein. Je suis sans mots, les amis. Hein. Je suis... Bon, fort les dé... Après, il fait des games où il fait des scores à peu près corrects. Hein. Donc voilà, encore une fois, il a 200 games. Ah, là-bas, c'est un main Maître Yi. Maître Yi Warwick qui joue. Il a 300 000 points sur les deux. Il joue que deux champions. Donc là, il respecte la règle des deux champions. Bon, Maître Yi, il a arrêté de jouer un peu Volibear de temps en temps. Mais vous voyez que bien, regardez, il gagne. Hein. 2-1-5, pas mal. 7-9-5, en vrai, c'est pas mal. 5-10-6, bon, c'est pas ouf, mais... Là, ok, hein. 2-12-1-12, bon... 2-11, ok. 10-13-17, c'est pas mal. Là, c'est pas ouf, hein. 9-7. 6-10-6, encore une fois, tu vois, 6-10-6, tu te fais pas faire mal, hein. Mais non, il gagne, hein. Il gagne des games, regardez, il gagne des games. Parce que indirectement, vous savez pourquoi il gagne des games, je vous le dis clairement. Hein. Parce que le fait qu'il aille toujours en split push au top, au bot, bah, il attire des gens sur lui tout le temps, et il fait durer les games, en fait. Il offre du late game à ses alliés, je pense. Indirectement, il doit quand même contribuer à des victoires de temps en temps, c'est obligé. Sinon, il aurait pas 48% winrate, c'est impossible. Bon, voilà, c'était du coup Dark Moon Sauveur, petit pouce bleu YouTube. Si vous avez du coup des joueurs un petit peu sympas à analyser dans ce ciel, n'hésitez pas à m'envoyer des petits messages sur les réseaux ou quoi. Pour que je puisse analyser ce genre de game. La Lux était sympa pour le coup. Mais ça va, je joue pas trop mal la Lux en vrai. Il est positif une game sur 15. Non, c'est faux. Regarde. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ça, c'est un remake. 17. Il y a quand même 3 games où il est en positif, hein. C'est pas une game sur 15, hein. Moi, tant qu'il s'amuse, le gars, tant qu'il prend du plaisir sur le jeu, ça me va, tu vois. Bah voilà, pause-bleu YouTube, c'était Sleepou avec Dark Lune Sauveur, une légende, hein. On verra s'il progressera, on essaiera de le réanalyser dans 2 mois, voir s'il a eu du step-up ou quoi, voilà. À la prochaine, ciao, ciao.